Salut tout le monde, c'est Azrod. On se retrouve aujourd'hui pour le 19 épisode de Assassin's Creed. Donc la dernière fois, ce que nous avons fait, si nous avions eu la 8e, il me semble que c'est... Non, la 8e. La... Oh putain, la 5e... Bon, chut, vous faites trop bon. J'en ai eu la 5e amulette, qui nous permet d'avoir, voilà. La 5e galette, saut là, qui nous permettra d'avoir l'armure hyper cheatée là de d'Altaïr, il me semble. Donc voilà, c'est. Par contre, j'ai vu un truc là. Désolé, oui, d'accord. C'est le coffre de la ville en fait que j'ai regardé. Il y a 17 000 à aller chercher. Va falloir que je m'en occupe. Mais bon, j'ai un peu flemme. Désolé. Bon alors, pioup, on va. Oui, l'épisode n'est pas du tout préparé, enfin je sais à peu près ce que je dois faire. Donc, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, étant donné qu'on a pas mal galéré sur le temple, et ben, on va commencer ça. Mince, je me trompe. Ah, bordel de merde. Voilà. On va commencer par le point d'observation, et ensuite, plouf, on plonge. Et on va aller faire le... Là, on va continuer la mission. What? Et je l'aurais rien fait. Et s'il y avait un forgeron là, franchement, je dirais pas non parce que elle est pas mal endommagée mon arme. Bordel, par contre, faut que je trouve un endroit où monter. Les vite là. Voilà. Faut toujours essayer les côtés, ça marche. Allez. Oh bordel. On va faire le tour. Ah là. Bon, c'est pas un détour les un des points d'observation les plus durs à avoir. Ça, franchement, c'est ça, c'est l'île. Ah, va aussi falloir que je m'occupe des sauts là de la vérité. J'ai seulement d'y repenser. Bon, je m'en occupe. Nickel, je viens de voir en plus. Voilà pourquoi c'est bien de débloquer parce que comme ça, hop. Bonjour monsieur. Faites voir d'abord vos armures. Vous avez pas quelque chose de mieux, monsieur? Vos bottes. Ouh! Ah d'accord. Oh bah, je prends direct ça. Hein. Franchement, pourquoi s'en priver? Bah, coûte cher, mais bon. Si on veut être bien protégé, il faut... Voilà, vache. Les... Allez, classe. Mais bon, je suis un peu pauvre. Mais non, t'inquiète, je l'ai volé. Bien. Et tu, pourquoi tu te caches dans le puits? Ouais, bah je me demande bien. Alors. Vous lui avez dit? Vous-même? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Ok, bon bah ça va être simple je pense. Enfin simple simple s'il est... Ah merde, j'ai oublié de réparer mon armure, oh le con. Ouais, c'est pas mais ce n'est pas ma voix. Il faut redoubler d'efforts et entrer dans son cercle d'intime. Oui, je comprends. Mais c'est plus difficile que prévu. Et pourquoi ça? Je ne sais pas, ce n'est qu'un... Le doge ne m'apprécie pas. C'est bien parce qu'il y a les prises exprès pour que tu puisses les suivre. Et juste au-dessus de lui, chemin facile d'accès. C'est pratique, c'est pratique, c'est pratique. Ah, ils se sont cassés. Oui, et ainsi vous passez pour un flagorneur. À quoi? Comment m'avez-vous appelé? Un paillasson, un flatteur, un lèche-pot. Dois-je continuer? Une plume. Hop là. Un sus-bouche si tu préfères, mec. Oh, pauvre petit chou. Vous n'êtes qu'un agent de l'État. Moi, je côtoie le doge en personne. Je vis à ses côtés, jour et nuit. Avouez-le. Ouais, je vais faire plouf, moi, pour ça. Vous avez fini?
Ah, j'aurais pu passer par là. Maintenant, écoutez-moi. Je vais réussir. Le Doge finira par rallier notre cause. J'en suis persuadé. Besoin d'un peu plus de temps. Plouf. Le temps, c'est justement ce qui nous... Oui, j'avais envie de faire plouf parce que franchement, ça allait commencer à devenir difficile à lui suivre. J'essaie toujours de pas me faire griller parce que... Voilà, j'ai pas envie de recommencer la mission. Les missions comme ça, c'est des missions chiantes où tu les écoutes même pas. Mais bon, c'est obligatoire, du coup, bah... Tu suis. On pourrait pas s'asseoir un moment ? Nous discutons de sujets trop sensibles, je ne veux pas prendre de risques. Ouais, bah je vous entends quand même, hein. Ok, oh, t'inquiète. Ils sont là. Ah merde, bien ça. Bonjour. J'ai pas prévu ça. Signor Carlo, Emilio n'est pas... Ah bah c'est là que je dis. Emilio est mort. Ok. J'espère qu'il a su se rattraper. L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les Pazzi. Il est ici, à Venise. Vraiment? Silvio. Il est mort. Moi. Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le saurions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but. Et ouais, je suis doué. Laissez-moi quelques jours, si je peux. Non, nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. Mais c'est quoi leur but déjà? Peut-être qu'ils l'ont déjà dit dans les anciens épisodes, mais moi je sais plus. Faut que je les tue? Parce qu'il y a un truc limite tué là sur enfin, des cibles. Hop. Tiens, point d'observation là. On va bâcher les autres là. Alors les gens comme ça, franchement les développeurs, qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez fait ça? C'est tellement casse-burne. Ah! Ah, le gars qui se fait pas respecter, putain de merde. Là, je vais faire gauler. Je vais faire gauler vite. Ouais. C'était chaud. J'essaye de grimper, franchement, c'est le meilleur point d'observation sans se faire griller. Voilà. Putain, il y a encore une plume. Il y a une plume, tout ça. J'ai entendu briller. Putain, c'est où? Elle est où? J'ai entendu une plume. Putain, il se casse. Ouais, je sais pas, j'ai pas le temps de chercher. Allez. Allez vite, grimpe. Ils sont en train de se barrer là. Allez. Hop là. Combien vous a-t-il coûté? Je pense avoir fait une bonne affaire. Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois. Son seul défaut est qu'il n'est guère... Bah, vous chiez un rythme un peu plus élevé parce que franchement là je me fais chier moi. J'aurais assez de vos querelles inutiles. Il se fout de ma gueule. Ce n'est pas à vous qu'un comble choix du Doge. Mais je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Suis-je assez clair? Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. C'est quoi ce... C'est d'ailleurs, je me suis cassé la gueule, là. Le Doge Mocenigo mourra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci. C'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Bien. Messer Grimaldi. Vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien. Et nous saurons nous en souvenir. Ouais, mais j'entends tout, moi. Eh oui.
pas que le sang soit versé, vous comprenez? Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro. Quand pourrez-vous l'approcher? Je me déplace librement dans le palais. Ouais, d'accord, je me suis cassé la gueule. Aucun cas de mes propos, mais il me considère maintenant comme l'un des siens. Bravo. Vous allez vous introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plutôt de sa compétence. Mmh. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la cantarelle. Putain, tous ces points d'observation que j'ai envie de faire. Enfin, je les efface. C'est une forme d'arsenic très puissante et pratiquement indétectable. Ah, va bene, va bene. Alors c'est décidé. Ouais bon, ça sert à rien que ce soit indétectable si... s'il y a quelqu'un qui écoute, hein. C'est quand? Ça passe. Bon, le gars, vous avez décidé de me faire faire le tour de la ville, là? Hop, oh, bonjour. Au passage. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjure. Bah, dispera, là. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé. Sans peur à la dire, ça y est. Les patients déçus aux attentes, j'espère que vous ne les imiterez pas. Ne vous inquiétez pas. Les patients... Désolé pour le bruit sourd, mais en fait, c'est parce que je pense que j'ai sauté dans la flotte. Respectable. Qu'un jeune assassin a exterminé à lui tout seul. Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de troubles qui hante maintenant notre cité. Je vais tous vous tuer. Marigo pourrait connaître le même sort. Je vous demande d'agir promptement. Vous avez fini de parler là? Bene, je dois rentrer à Rome. Ah, les pigeons. Ah, le mec il marche dans les pigeons. Ah bah voilà. Les pigeons se sont réveillés. Ouais, donc comme je pensais. Quel idiot je fais. Je n'aurais pas dû les quitter des yeux. Il faut que j'aille voir Antonio. J'ai fait preuve de négligence. Lui seul. Comment ça? Ouh, 3000. Franchement, on gagne pas mal de sous là. Dans l'émission. Bon, s'il vous plaît. Je voudrais bien dégager. Enfin, sortir de la flotte. Ok. Buguer. Bon alors, ta. Non, moi, voilà, ah, c'est ça. Bon, eh bien, je pense que je vais faire une petite ellipse, histoire de faire deux trois choses, comme par exemple faire les points d'observation là qui m'ont un petit peu cherché, que je voyais, enfin je l'ai regardé du coin de l'œil, je faisais ah putain, je les veux. Donc je vais faire ces points d'observation, je vais peut-être faire un petit aller-retour à la villa pour justement bah aller déposer les plumes et tout ça et récupérer l'argent parce que le coffre est plein, donc voilà. Ce serait du gâchis. Bon allez. Ellipse. Et re tout le monde. Donc j'ai fait une toute petite ellipse, mais j'ai pas encore fini parce qu'en fait j'étais j'ai fait une tour là. Et je suis à celle-là maintenant à côté du palais. Et j'ai trouvé ça en fait. J'ai trouvé ceci. Donc c'est un truc de la vérité. Donc voilà, je le fais et je pense même que je vais essayer d'en trouver pas mal comme ça. Après je vais vous passer la vérité voilà, presque complet. Bon allez, ellipse. Non, c'est Azrod et non, ce n'est pas le début d'un nouvel épisode. C'est juste que je suis extrêmement deck, donc j'ai envie de t'envoyer tout balader. Pas parce que je me suis fait chier à... Bah bref, je vais vous expliquer. Donc déjà... Toi ta gueule.
Donc voilà, j'ai fait les quelques points d'observation qui restaient. Et qu'ai-je fait donc après, pendant 2 heures? Eh ben j'étais sur Internet, parce qu'Internet est mon ami, et il m'a dit où sont tous les trucs de vérité. Donc en gros, regardez. Mais vous allez dire, bah c'est bien si t'as la vérité et tout, c'est bien. Ouais, j'ai la vérité. Pas jusqu'au bout, il m'en manque 2. Et malheureusement, eh ben je ne pourrais pas les avoir tout de suite. Pourquoi? Parce que en fait sur Internet, ils me disent que dernier morceau de la vérité est par là. Donc voilà, ça, on peut pas accéder à partir de là. Donc, je suis bien deg. Et sinon, il est quelque part par là. Et pareil, on ne peut pas y accéder pour l'instant. Autrement dit, je me suis fait chier pendant 2 heures à récupérer un truc dont je ne peux pas voir la fin. Et je suis vraiment dégueu de chez deg. Mais c'est pas grave. On va tout de suite aller continuer l'histoire. Hein. Au moins qu'il se passe quelque chose de constructif. Je sais plus comment on dit. Bref, ouais, voilà, je... J'énerve un peu à chaud là, franchement je bouillonne. Bon voilà, bref, on va aller faire quelques missions histoire de nous calmer, de nous défouler sur des gardes. Et oui, en fait, sinon j'ai été récupérer les 17 000 qui m'attendaient à la Villa Auditore. Vous allez me dire, bah pourquoi alors là t'as que 1290. Et bah ta gueule toi. Et parce que tout simplement en fait j'ai investi comme un gros porc dans la Villa Auditore. Donc voilà, il reste plus rien. Enfin, il reste encore des trucs à améliorer, mais sinon j'ai plus de thunes. Je suis fauché. Mais c'est pas grave parce que franchement là maintenant, quand ça va de la gueule. Hein. Pourquoi je suis passé par là, moi? Eh mais c'est le truc pas de la soie. Il me semble. Ah oui. C'est le palais de la soie que j'avais pris au gars là que j'avais tué. Et justement dans le truc, parce que moi ça fait un petit moment maintenant, où ça doit faire 2 minutes à peine. Voilà, il m'avait dit d'aller la voir pour je sais plus trop quoi. Désolé ma chère, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Je dois parler à Antonio, c'est urgent. Antonio, Ezio est là. Ezio, est-ce que tout va bien? Carlo Grimaldi et les barbares et se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol. Ouais, tranquille. J'ai pas la fin de la vérité, mais je pense à ça. Toute la cité de Venise et sa flotte seraient à leur botte. Et ils me traitent de criminel. Alors, tu vas m'aider? Tu peux compter sur moi, mon frère. Et sur le soutien de mes hommes. Et des femmes. Grazie, amici. Mais, Ezio, je te préviens. Cette fois, ce sera plus difficile. Le palais ducal est le bâtiment le mieux gardé de tout Venise. J'ai toujours aimé les défis. C'est ce qui nous plaît chez toi, Ezio. Bien, allons jeter un œil. On va trouver un moyen. Mais oui. Bon, allez. Ok, tout va. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on avait espionné les autres là qui disaient de tuer le gars. Ouais, d'accord. Ouais. Désolé, c'est très vague, mais je ne sais plus. Hein. J'ai une mémoire de prénoms qui est très très limitée. C'est compliqué. Je comprenais que les nobles étaient justes et bons. Et je le croyais. Mon père était un simple cordonnier et ma mère une servante. Et moi, j'aspirais à autre chose. J'ai longtemps étudié, j'ai persévéré. Mais les nobles ne m'ont jamais accepté. Il faut croire que pour appartenir à leur monde, il faut y être né. Alors je te le demande, Ezio, qui sont les vrais nobles de Venise? Des hommes comme Carlo Grimaldi et Marco Barbarigo? Bah oui, c'est pas nouveau. Ce sont les gens comme nous, les voleurs, moi, les mercenaires et les propres. Nous devons explorer les alentours du palais. L'observer. Non, je suis juste des cons. C'est ainsi qu'on trouvera une entrée. Il y a un campanile juste derrière le palais. Nous pouvons voilà, ta gueule. Essayer d'escalader l'arrière de la basilique. Qu'en penses-tu? Et par devant, c'est impossible? Perso, je me suis déjà infiltré là-dedans, mais bon. On essaiera aussi par devant, petit malin. Pour la. Merde. Pour le tombeau. Venez avec moi. Ok. Oh, tu te fous de ma gueule pour escalader ça. C'était un point d'observation. Et bah, du coup, je l'ai fait le point d'observation. Enfin,
C'est juste là qu'il faut aller. Bah, à peu près. Si c'est juste là qu'il faut aller, ça, c'est pour monter tout en haut, putain. Il y avait même un morceau de la vérité. Pour vous dire. Non, je sais où ils sont. Et il y en a, putain, ils étaient bien cachés. Et certains, je suis passé pas mal de fois à côté, mais je faisais pas gaffe. Ouais, donc non, en fait. Je suis deck pour monter tout en haut. Eh merde. C'est pas grave. Oh, l'épisode, toi. Ah ben non. Oh, putain, j'aurais tellement le chien si je serais monté tout en haut et après j'aurais... Bah merde, en fait, c'est tout en bas. Avant qu'on ait éliminé tous les gardes. Allez. Voilà. Ouais, je suis à peine rentré dedans. Bon. Ce soir, bah, j'avais envie de m'attaquer à la récolte de toutes les plumes de Pedruccio, mais franchement, si ça fait exactement pareil, il y a encore des zones que je peux pas atteindre. Donc, je sais pas si je vais le faire parce que. Attendre d'avoir débloqué toute la map parce que sinon je vais me retrouver comme un coin avec des 4 plumes que je peux pas atteindre. Et franchement je serai deg. Là aussi c'était un point d'observation. Putain ouais il y a du monde hein. Regardez sur les toits, il y a du monde sur le palais. Moi ouais, il est où il est... Oh putain. Bon allez, mine-toi. Elle est là. Elle est là, ce gars. Bien. Avec moi. Calme-toi. Oui, de base je voulais mettre... De base je voulais mettre la vision d'œil pour regarder, mais bon, en plus on voit rien. Allez, piou. Use la paille. Il saute. Bien sûr que non, il saute pas. Oh bordel. Le boulet, toi. Oui, je sais, pendant les 15 prochaines minutes, vous allez m'entendre râler. Hein. Non. La 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 la. Sinon, je me promets. Parce qu'en plus, j'ai fait toutes les régions. J'ai fait... J'ai fait Florent, j'ai fait la Roumanie là, le Venise, enfin là où je croyais que c'était Venise alors que c'était pas Venise. J'ai fait la Toscane. Là, je vous dis, j'en ai fait du chemin, mais bordel. Tout ça pour s'apercevoir à la fin que tu peux pas savoir la fin de la vérité. Putain, voilà. Oh, bien. Bon, il se dépêche, il est où? Ah là là le boulet. D'accord. Ok. J'allais dire tu peux pas choisir un chemin moins compliqué. Parce que t'es un peu lent garçon. Alors les coffres aussi, va falloir que je m'attaque à ça. Bon. Bon pour là c'est ce qu'il y a d'hab. Ouais donc là on doit monter, je présume. Bon. On fait la course. Dernier là-haut team petite bête. De toute façon je sais très bien qui c'est qui va arriver en premier. Ça je m'en fous de PDP et c'est bon c'est... Enfin ça j'avais peur à la foutre. Ça donne ça quand je rajoute pétain, c'est... Ça donne à peu près ça. Vous ne comprenez pas ce que je vous propose, signor. Hop là, voilà, j'ai la plus grosse. Écoutez-moi, ou ce sera votre dernière chance. Comment osez-vous? Désolé, excusez-moi. Vous m'avez mal compris, je m'inquiète pour votre sécurité. Nous allons manquer de temps. On ne passera pas par cette grille. Il y a des gardes partout. Diavolo. Suivez-moi. T'as raison. C'est impossible.
à moins de se laisser pousser des ailes, Diabolomance. On n'entrera pas. Oui, des ailes. Ah oui. Je vais voir mon ami Leonardo. Je me souviens très bien de cette mission. Je me souviens. Et franchement, elle va vous plaire, je pense. Moi, j'ai eu un petit kiff quand je l'ai fait la première fois. Bon, regardez-moi cet argent qui rentre. Oh là 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 là. Donc oui, j'ai un gros kiff pour la mission d'appel, je m'en souviens. Bon, étant donné, enfin, je sais pas vraiment combien de temps on en est avec les hélices, mais je pense qu'on s'approche de la durée normale d'un épisode. Donc je pense que je vais vous laisser, parce que j'ai encore un épisode à tourner après, donc voilà. Donc vous allez sans doute m'avoir encore en mode grognon pour l'épisode d'après. Hein. Enfin, je vais essayer de me calmer un peu. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, et vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain. Allez, bye tout le monde.